Alors, du coup, on va commencer le speedrun. Vous êtes prêts, prêtes? J'ai lancé. Alors, je suis français. Je veux jouer à ouverture facile. C'est où? Jouer! Voilà, j'avais pas du tout mis la bonne page. J'ai bloqué Adobe. Ah bon? Bah, du coup, on va tout relancer. C'est quoi ce délire? J'ai commencé, j'ai bloqué Adobe. Je suis pas bloqué la dernière fois, je l'ai débloqué justement exprès pour pouvoir tester. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Alors, excusez-moi, je passe dans mes paramètres. Bah pourquoi il dit que je l'ai bloqué alors que c'est pas du tout le cas? Il est autorisé. Voilà, autorisé. Actualisé. Ah non, j'ai bloqué. C'était Java que j'avais bloqué. Ok. Alors, vous êtes prêts, prêtes, on est sur le premier niveau. C'est parti. Alors, je me rappelle que le premier, c'était au niveau du visage, du crâne. Voilà. Et là, c'est le deuxième. Et là, on va. Et là, c'est le problème. Alors, du coup, il faut que je passe à deuxième. Mon Dieu. Où voulez-vous aller? Bah, au niveau 3. Donc, il faut taper dans le truc là-haut, non? Oui. C'est bon. Alors, niveau 3. Et là, on est dans un problème. Donc, il faut m'aider. Il faut m'aider. Je vais zoomer un peu pour vous. Peut-être que ça peut aider. Non, je peux pas zoomer. S'il vous plaît, zoomer. Voilà, merci. Il y a eu un bruit là. C'est moi? Il y a eu un bruit. Je suis niveau 3. Riorim. Est-ce qu'il faut faire un truc particulier? Faut que j'écrive niveau 3 à l'envers. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Je vais écrire niveau 3 à l'envers en haut dans la barre de recherche. Non, je suis bête. Donc, peut-être qu'il faut que je mette le 0. Je sais pas. U. A. E. V. I. N. Non, c'est pas ça. Donc, miroir. Il faut que j'écrive 3, niveau 3 et niveau juste collé, je pense. U, A, E, I, j'ai oublié le V, N. C'était ça! Voilà, je l'ai mis à l'envers. Ça en devrait pas être le. Ça ne devrait pas être le prochain, c'est ça, c'est. Normalement, le pu. Le pot. Pot. Porte. Quoi? Cor. Quatre. Quatre. Ah. Ok, excusez-moi, monsieur. On arrive au 4. On arrive au 4, je crois. Je crois qu'on a dépassé notre time. Ah ouais, non. Ça, c'est la pochette de Pink Floyd. C'est Pigs Eye Flying, je m'en rappelle de cette histoire. Mais il faut le faire parfaitement, je crois. Le 4, normalement, ouais, c'est ça. Hop. La pression, la pression. Je crois que je suis déjà dans le rouge. 1 minute 56, c'était vraiment trop court. Pourquoi on a des... Pourquoi on a ça? C'est quelque part ici. Voilà. Toi, tu te mets là. Toi, tu vas être là, quelque part en haut. Toi, tu seras quelque part là. Voilà. Voilà. Là, au milieu. À peu près. Je sais pas s'il faut le faire parfaitement, c'est ça le problème. Donc toi, t'es le coin, tu vas là. Le coin là. En haut. Puzzle de Pink Floyd. Oui, mais alors du coup, il faut écrire Pink Floyd juste ou je sais plus. Je sais plus. Mon Dieu. La pression. Voilà, hop. Mais pourquoi ça... Il y a deux coins. Il y a deux coins supérieurs. Très étrange. Hop. Là-haut. Voilà. Alors, le N, il doit aller là. Le I, il devrait aller là. Voilà. Le F, ici. J'essaye de le faire parce que je... par l'écriture. Hein. Ça me paraît assez étrange, mais c'est comme ça qu'on va le faire. L, ici.
le K, bah, du coup, là-haut. Ça, on va le mettre de côté. Ça, c'est quoi, ça? On sait pas. Ici. Mais, oh, c'est très dur de cliquer, là, monsieur. Voilà, ça, c'est ici. Ça, c'est là. Ça, c'est... Oh, purée. J'essaie de le faire parfaitement, mais je suis pas sûr qu'il faut le faire parfaitement. C'est le problème. Le L, il est ici. Ça ressemble à quelque chose. Hein. Il manque une pièce. Non. Elle est où, la pièce? Elle est là. Non! Il y a tout qui bouge. Il faut écrire Pink Floyd quelque part. C'est faut écrire Pink Floyd en haut. Non mais d'accord, mais comment qu'on fait déjà? On écrit Pink Floyd. La réponse c'est en haut qu'il faut la mettre, Pink Floyd. Oui, c'est bien un album de... mais ça ne répond pas à l'énigme. C'est quoi la question de l'énigme, monsieur? Oh mon dieu. On va devoir tout recommencer. Le nom de l'album, c'est pas Pigs Are Flying ou je sais pas quoi? Animals? Ah, c'est Animals. Ok, merci. Tu as oublié de tenir compte d'un indice. C'est quoi l'indice? C'est Pigs. C'est, je suis sûr que c'est à cause du cochon, là. Il y a le cochon qui vole, là. Faut regarder le cochon. Non, mais... Je réfléchis pas avant de taper, s'il vous plaît, merci. Animal 5. Ah, c'est un S. C'est un 5 à la place du S. Alors, c'est, j'espère que c'est... Alors, ok. Bon. On va recommencer, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a fait 5 minutes sur celui-ci, rien que celui-là. Hein. Putain. Excusez-moi, on est dans tout public, en plus, j'ai mis sur Internet. Hein. J'aurais pas dû. Hein. Non, j'écris mal. C'est juste qu'il y a un S ou en majuscule, c'est ça? Faut m'aider, là. Hein. Je pense que là, il... À part qu'il faut que je fasse la pochette, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Je sais que c'est Pink Floyd. On sait que c'est Animals. Je me disais que c'était le niveau 5, mais donc... Ah, oui. Peut-être 0,5, ouais, peut-être. Peut-être à l'envers, parce que c'est... on est toujours à l'envers, là. Donc, je sais pas si on... C'est... Il manque un indice. Il manque un indice. Mais l'indice, il a disparu, monsieur. Je sais pas quoi faire. Mais titre et artiste. Ouais. Mais alors, du coup, tu penses qu'il faut que je mette Pink Floyd plus Animals? Collé? Ouais, mais en même temps, si j'écris mal aussi, c'est compliqué. Hein. Non. C'est pas ça. Oh, on est à 9 minutes sur uniquement celui-là. Je pense qu'on va devoir augmenter les stats de du speedrun. Hein. Mes titres et artistes. Bah, du coup, titre d'abord. Animals avec un S. Et artiste, Pink Floyd. Non. Alors c'est collé hein, que je le mets. Hein. Je sais pas s'il faut pas le mettre collé. Ah, c'est Puzzles ou Animals, le... C'est Puzzle, tu crois, qu'il faut que j'écrive? Pourquoi Puzzle? Que lundi, c'est un puzzle, c'est, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr que la technique, là, c'est surtout que... Bon, attends, on va essayer de refaire, on va voir ce que ça donne. Tac. Alors, je crois que ça, c'est au milieu. On va le refaire. On va prendre notre temps. Ah, ça me met la pression, la musique. C'est horrible. Tu écris ce que c'est, maybe. Bah, albums. Album. Bah, c'est aussi un album, quoi. Donc, du coup, je sais pas si c'est puzzle. Ouais, c'est possible. Tu penses que c'est genre... Animals plus puzzle. Du coup, j'ai déjà essayé coller et ça avait pas l'air de marcher déjà. C'est quelque part ici, ça.
Elle existe toujours cette usine ou ils l'ont détruite en Angleterre d'ailleurs. Je me pose la question. Ouais, avec des tirets, tu penses? Je vais d'abord, on va tout reconstruire et après on va essayer avec les tirets. Je pense que c'est possible, hein. C'est juste que je savais pas exactement s'il fallait l'écrire comme ça ou pas. Et je commence à le faire parfaitement ce truc là. N'empêche. Il y a combien de morceaux de puzzle? Je sais pas, franchement. Ah! Tu crois qu'il y a un nombre de. Non, mais ça c'est trop compliqué. Non? C'est moi qui trouve ça trop compliqué ou. Je peux comprendre que c'est violent, hein, ouverture facile, mais. Mon Dieu. Mon Dieu! Mon Dieu! Oh là là là! J'ai tout perdu! Oh là là là! Je suis sous pression! Il y a combien de morceaux de... Bah on peut compter les morceaux de... Moi je pense qu'on va les compter, hein. Mais on va les compter à la fin parce que je veux juste voir. Donc là il y a Pigs are Flying. Et le L. Donc Pink Floyd, donc on est d'accord, là il y a toute la typo. On va checker vite fait l'album. Si c'est bien. Je pense que c'est bien Animals, mais peut-être qu'il y a. Voilà, Pigs on Wall, la première son, c'est pas ça? Pigs on the Wing, genre. Ça pourrait être ça, non? Et ainsi le premier album, ça peut nous aider. Un peu de musique qui a marqué en haut. Est-ce que vous voyez un peu de musique? Bah on va essayer. Hein. Écoutez, on va le mettre dans l'ordre. Animals. Tout court, mais j'ai déjà essayé Animals, je crois. Et c'est la combien dans la chanson, d'ailleurs, Animals. Il doit y avoir dans l'album. Il doit y avoir un nom. Il doit y avoir le titre, non? Sheep, pigs, dogs, pigs. Il n'y a que 5 chansons, donc 5. Non, c'est pas ça. On réessaye. Alors du coup, on avait dit le nombre de puzzles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19. Animals 19, j'ai essayé d'écrire juste ça. Hein. Et j'ai peur que ce soit un répertoire. Genre, en fait, faut que j'enlève tout ça. Et que ce soit, genre, d'abord Pink Floyd. Et ensuite, slash Animals. Quel est l'indice? Il n'y a plus d'indice en fait. Piste 4. Piste 4, c'est quoi la piste 4? C'était Pigs, je crois. Tout simplement. Donc c'est vraiment le cochon, je me rappelais bien hein, du coup. Mais attends, mais... Ah. On a déjà cherché Pink Floyd. C'était la dernière. C'était la 5 en plus. Pigs 5. 5 pigs. C'est le quatrième morceau, pourquoi? Pigs. Sheep. Ah! Si c'est ça. Oh là là. Bon, on a fait 11 minutes dessus. Et donc voilà, donc maintenant on se retrouve avec. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir? Graphisme, non. Fichier, non. Shell, non. Corbeille, non. Jeu, non. Typo, non. Utilitaire, non.
On peut se balader. User. Impossible de lire user.jpg. Le fichier est endommagé. Veuillez le télécharger à nouveau. Il me semble qu'il faut télécharger les fichiers là, non? Donc, on télécharge user. Password.mp3, ça s'appelle. Le son. Alors attendez, il faut que je coupe le son du coup. Non, est-ce que vous entendez? Impossible de lire le password, le fichier est endommagé, veuillez le télécharger à nouveau. Donc, faut télécharger les deux, je crois. Alors, user.jpg. Alors ça c'est ça c'était la, ça c'était choquant pour ma petite tête à l'époque qu'on te mette une énigme où il faut récupérer. Donc petit user c'est petit, notez-le moi s'il vous plaît. Et password. Je vais essayer de vous le faire écouter. Escargot. Petit escargot. Ok, vous l'avez entendu ou pas? Ok, alors du coup, il faut qu'on puisse se connecter à ça. User, petit, escargot. Ok, on l'a fini. Oh non! Non! J'ai l'impression d'être dans Running Man. 101, du coup, c'est L. Ouais, 101, c'est A. LAL. C'est ça, hein. L. A. L. 97, c'est O. V, Lalo. Lalvo. Ok. A, c'est la... Ah, d'accord. Ok, c'est le... Ok, on va tout déplacer parce que c'est... En fait, c'est le site web. C'est l'appel du site web. Alors, on a un L... Ça, c'est un 0. Donc, L, A. L. V. O. 117. L. On n'a pas d'autre. Si. Alors, L, A, L, V, O. L, O. Alors, VO, L, A. Merci. Ouais, c'est exactement ça. Mais après, il faut faire le deuxième du coup. 102. L'art. L'art lal. Et après, c'est quoi? L'art lal. Deux L, O. Ensuite, 116. L'alvolo, l'arlalo. 102, c'est quoi le 2? Le 2, il est où, là? C'est un R? Non, c'est 116. 116, il est où, le 6? Il n'y a pas de 6, là. Il est où, le 6? Il n'y a pas de 6. S'il est là. Non. Non, il n'est pas là. Il est où le 6? C'est quoi le... Il n'y a pas de 6 là. Hein. Donc LL. Et après LAL encore. LE. LLE. LLE. LAL. Ça doit être une voyelle, le 6, du coup. Ah, mais c'est une suite de nombres. Oh là là. Oh non, c'est pas c'est pas la suite de Fibonacci, j'espère. Alors, attends. Ouais, merci. Là, ouais. Et du coup, le dernier... Donc le 1, le LAL, il se déplace, et après il se déplace plus. Le 117, il se déplace, et après c'est... Ok. Alors... Je me rappelle plus de la suite de Fibonacci, je crois que c'est 1 et 1, ça fait 2. Je sais même plus. Il y a écrit quoi, le titre de la page? Élément.
Et ne cherchez pas, il n'y a aucun calcul à faire. On ne fait pas de calcul. Mais c'est pas la suite de Fibonacci s'il n'y a pas de calcul. Est-ce que ce serait pas le 6, ce serait pas un 9 à l'envers? Ah, c'est compliqué, hein. Alors, en fait, ce qu'on n'a pas utilisé, ce serait intéressant de voir ce qu'on n'a pas utilisé. Tu refais pourquoi? Tu t'es trompé? Et dans la barre de recherche, c'est petit escargot, hashtag élément. Mais je crois qu'on va enlever toutes celles qui... alors, le 1, 1, toutes celles qui ont été utilisées une fois. Le 0, il a été utilisé une fois. Le 9, il a été donc le V, le 7, 0, le O. Le A, il a été utilisé aussi une fois, mais on l'a pas, pour l'instant, on l'a pas réutilisé. Le 117, donc ça, il manque 1, 1. Ensuite, il y a le 1, 0, donc le deuxième A. 2, R. Le 1, 0, 1, on a tout enlevé. Le 117, on a tout enlevé. 116, il n'y en a plus. Et du coup, 101. Donc il nous reste 100 en fait. Ce qui n'a pas été utilisé. C'est février, non? C'est pas un truc genre comme ça. Février. Non, il manque le R. Il y a le T aussi qu'on n'a pas utilisé. Rivet. Ça peut être Rivet aussi, mais il reste des trucs. Mon cerveau ne voit aucun sens à cette énigme. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. On va regarder les indices, hein, je pense, dans pas longtemps. Juste, on cherche les mots. Je pense qu'en fait, c'est une histoire de discrimination sur ce qui a été utilisé. Du coup, par exemple, si on fait rivet, il reste quoi? Il reste le F et le double F. Ça ne sert à rien d'ajouter les groupes de chiffres ensemble. En mode... Ah, t'as essayé la... Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc, 1 plus 0 plus 1 égale, du coup, 2. Ça voudrait dire que c'est un R. 9 plus 7, ça fait 16. Donc, 16 plus, ça fait 1, 6. Mais là, du coup, ça fait 1, 6, ça fait 7. Voilà, hop. Oh. Mais ils ont dit qu'il n'y avait pas de calcul. Donc, on va essayer quand même. Hein. Mais 7 et 7, 9. Ouais. Rho... 102, ça fait 3. Est-ce qu'on a le 3? Rho, ok. 2. 9. 116, ça fait 8. F. 3, on n'a plus de 3. On n'a plus de 3. Est-ce qu'on a un 2? On n'a plus de 2. Donc ça fait 3. 3, c'était des quoi déjà? T. Donc ça veut dire rov très 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 je pense que c'est ça. 3, ça fait T. 6, c'était on l'a pas. 6, on l'a pas. Et 3. Je suis pas sûr que ce soit ça. On va regarder l'indice. Hein. Entre la fenêtre et l'espace. Shift. Entre la fenêtre et l'espace. Bah le clavier. Ah, ah, mais ça y est, je sais. Faut regarder les claviers de téléphone. C'est le T9, non? Non? C'est pas une histoire de... Parce qu'à l'époque, c'était le T9. Hein, donc, on va... c'est peut-être une histoire comme ça. Alors, du coup. L, ce serait 1. Je suis du père. Oui, bah ouais, bah, bienvenue. L, ce serait 1. Non, L, ce serait 5, normalement. Si c'est T9. Ça serait même 3, 5. 5 fois 5, 5, 5. Donc si je fais 1, 0, 1, 1, 0, 1, il n'y a pas de lettre par exemple normalement dans le T9. 9, 7, ça fait 7 fois le 9. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est peut-être ça, une fois le 1. Une fois le 1, y a rien en fait. Entre... Non, mais... Je crois qu'on est perdu, hein. Ça fait 10 minutes de trop là, non? Alors, il n'y a rien à calculer, mais c'est entre l'espace et la barre d'espace
Non, ils disent pas barre d'espace, ouais. Entre la fenêtre et l'espace. Bah, ce serait l'air. Et l'élément, c'est quoi? L'élément de l'air, c'est H2, non pas H2O parce que ça c'est l'eau. C'est l'oxygène, c'est O. Et du coup, O c'est 7, mais ça explique pas trop. Hein. D'ailleurs, c'est O au carré, non? Du coup, ce serait. C'est comme ça, de 0, de O. Et si on tapait nos résultats de retraduction dans la barre de recherche pour voir si ça donne des indices? Dans la barre de recherche de Google, genre, tu veux qu'on essaye quoi? Les résultats? Là, 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 là? Je pense que ça va pas marcher, ça. Si? Le 1? J'essaye le 1. Il va pas donner d'indices. Hein. Les indices, c'est juste en dessous. Hein. Ça peut pas être ailleurs. Et on en est qu'à la sixième. Hein. Je suis choqué. Non. Alors, l'alvolo, le premier, ça ne fonctionne pas. Espace égale BR et fenêtre égale window, oui. L'espace c'est BR, pourquoi? Ah, en code. Non, mais même pas en code. En code c'est pas BR, c'est ça c'est un saut de ligne. BR. Je sais pas, hein, franchement, je sais pas. Hein. Ce qui est marrant, c'est qu'il commence en plus avec un truc de variable pour bien piéger les codeurs. Donc il commence avec var. Parce que c'est comme ça qu'on commence les variables. Bah c'est du langage HTML, non? Bah ouais, mais en fait le truc c'est que si... Déjà c'est point .htm, alors que le nom de la page là c'est HTML. Alors que là c'est du HTML. Ouais. Oui, clairement, faut ajouter un truc à la barre. À la barre de quoi? Relative à la fenêtre et l'espace. Relative à la fenêtre de l'espace. J'essaye de taper sur mon. Tu vois. Je vais regarder aussi le 1, c'est E sur le clavier. A. E. 97. C'est non. Et non. 117. Non. Entre le window et. Mais c'est Alt. En fait, c'est le. Si t'as un clavier Windows, t'as le clavier. T'as le Windows. T'as la fenêtre de l'espace de Windows, là. La fenêtre et l'espace. C'est Alt. C'est Alt l'indice. Je pense que c'est ça. Parce que sur un clavier Windows, t'as ça, hein, entre les deux. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, on peut le voir. Hein. Ah non, d'ailleurs, ouais, c'est ça. Là, on le voit bien. Hein. Excusez-moi, je peux ouvrir cette image, monsieur? Merci. Madame, je sais pas. Monsieur, dame. Oh là là! Bon, vous avez compris, hein, c'est sur le clavier. Donc, est-ce que c'est Alt? Je vais essayer. C'est pas Alt. Parce que Alt, ça... Alors, si j'écris Alt, ça serait... Ça serait 0,13. C'est point HTM d'ailleurs. Ça marche pas. On va essayer Alt. Wow. C'est chaud. Hein. Du coup, je réessaye ce que tu me disais, Kankanou. J'étais au deuxième, je crois.
noter juste le truc pour voir. Donc lar lal.html htm. C'est pas ça. Ouais. J'attends quoi? Tu m'as petite idée de génie, dis-moi l'idée de génie que tu as. Le 6 on l'a toujours pas en fait, le problème c'est qu'on peut pas faire le troisième du coup. Vas-y, dis-moi l'idée de génie, puisque si c'est... Pourquoi le quatrième est vide en même temps? Bah en fait c'est ça, c'est qu'on doit trouver le quatrième. Le truc s'appelle élément, oui. C'est comme les éléments de la table périodique, mais... on n'est pas en train de faire de la génétique, j'espère. Enfin, c'est pas de la génétique d'ailleurs. La table périodique, c'est de la chimie. Les nombres qu'on a veulent dire une lettre, oui. Il faut trouver les autres, tu penses? Le E, le A. Le E, ouais. Ah, tu veux dire E de élément? Juste le E? Et du coup, c'est le E, c'est 4. Ah, tu veux dire qu'on remplace 0, 0, 1? Ça veut dire qu'on met un E au 0, 0, 1? Genre, le premier pourrait dire O. E, A, U. Pourquoi le deuxième, ce serait un A? C'est possible, hein? C'est archi possible. Ça veut dire que le... Ça voudrait dire que le deuxième, il y a un E ici. Et après un U. Là, il y aurait un 1, 2, 3, 4, 5. Cent seize. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. On pourrait essayer de deviner ce qu'il veut dire si on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de loin entre les de moins entre les nombres. Il n'y a pas de... Ah, tu veux dire que tu veux calculer en plus? Mais ils disent qu'il faut pas calculer. Alors, je sais pas si tu as dit loin ou moins. Et donc ça veut dire que E égale 1, A égale 97 et 117 égale U. Dans cette hypothèse, vas-y, t'es parti, vas-y, je te laisse faire. Ça voudrait dire que le deuxième, il y aurait un E en deuxième lettre. Et encore un U en dernier, mais on ne connaît pas 102. Ouais, moi non plus, je comprends R, mais je pense que Petit Cancanou est peut-être sur une piste. Est-ce que ce serait pas genre... Ouais. Non, si c'est ça, c'est abusé. LROE. Donc ce serait juste le E, le quatrième. Non, je suis en train de chercher en même temps. Je me souviens que c'était en lien avec éléments, les éléments de la Terre, genre eau, feu. Eau, feu. T-E, R, R-E. Ça fait 5. Donc du coup, le dernier, c'est quoi? C'est quoi déjà? Le dernier. Le vent. Donc V. E. Il n'y a pas de N. Il n'y a pas de N. En tout cas, c'est possible. Ça voudrait dire que le premier, c'est E. A. Il n'y a pas de U. Le deuxième serait feu. Ouais, je suis d'accord avec toi. F. Il n'y a pas de U, en fait. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais de U. Mais on peut imaginer qu'il y a un U, ouais. Et du coup, le V. Le troisième, c'est terre. Et le quatrième, c'est vent.
R, AIR. Ah oui, c'est possible, ouais. Bon, attends, on va essayer. Je pense que c'est ça, t'as raison. Je me rappelle un peu vaguement du truc, mais on va voir. HTM. C'est pas R.HTM. C'est peut-être le chiffre, du coup. A0. 052. C'est pas ça non plus. C'était bien pensé, hein. Je pense que c'est ça. Mais du coup, est-ce que ce serait pas plus vent? Il n'y a pas le... Tu vois, il manque le N, le problème. C'est ça que c'est... Le plus gros problème, ça serait... C'est archi bien pensé, hein. Parce que c'est exactement le nombre de lettres, t'as archi raison. Feu... Ça, c'est les pièges de ouverture facile. Si tu cherches dans un sens, t'es jamais dans le bon sens, en fait. Bon. Le N, du coup, alors, comment on pourrait le trouver, le N? Imaginons que le U, c'est 117. D'accord? Le vide, ça rentre vide. Pourquoi vide, Nibbler? Il n'y a pas de D non plus. Hein. 116. Alors du coup, si le U c'est 117, la lettre juste avant qui est T, ce serait... Ouais, bah T c'est 116. Ah, mais c'est comme ça qu'on trouve, en fait. T c'est 116. 101 c'est E. R c'est 114. Donc c'est bon. E c'est ça. Donc on peut trouver le N, en fait. MNOPQ, RST. Alors l'alphabet. Ouais, normalement c'est R, mais du coup est-ce que c'est... Ils disent que c'est point HTM, mais je sais pas si je remplace le HTML ou pas. Tu vois. Bah là, R, il veut pas fonctionner, en fait. Faut enlever petit escargot, peut-être. Non, c'est pas ça. Terre, oui, bah oui. Pourquoi Terre? Pourquoi spécifiquement on l'a trouvé, le Terre? C'est le quatrième qu'on cherche là, non? En tout cas, petit cancano a trouvé. Terre, ça marche pas. Parce qu'il est là, hein. Oh, il est là. Ça, je suis d'accord, le 117, c'est bon. Le feu, c'est bon. 117, toujours bon. Ok. 116, ça paraît logique parce que c'est juste avant le U. C'est 116, donc du coup, E, le 101, R, E. Donc le dernier, c'est normalement A, I, R, ou V, E, N, T. Mais du coup, c'est, tu vois, c'est... V, E... Donc c'est suis perdu, hein. Parce que si c'est pas R, c'est bizarre. Du coup, il faudrait que je peut-être élément et après je mets R.htm à la fin. Non. Ça marche pas non plus. Si je fais slash r.htm, bah oui, r quoi. Mais attends, r, oui, c'est... quatre-vingt-dix-sept, pourquoi? Pourquoi R c'est 97? Pour le A. Ah oui, tu veux dire que c'est 97. A. I c'est 114 à la fin. C'est ça? Genre 114.
14. 97. Et le... On avait dit le I, c'était quoi déjà? On n'avait pas trouvé de I. C'est genre ça? Voile? Non. Le... Du coup, c'est quoi le I? J'ai l'impression que, petit cancanou, tu as disparu parce que t'as regardé la solution. Tu veux plus nous aider sur ton idée, Ça doit être un truc à trois chiffres. Ouais, ouais, je pense aussi. Ou un 2. Donc, le faudrait trouver le I. On a le A. On a le E. On a quoi? Le F. Donc, le A, c'est 101. Le F, c'est 102. Oui, c'est bon. Le A, c'est bon. Oui, oui, faut que tu comptes comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. Après, faut que tu comptes, faut compter le D, etc., etc. I, c'est 101, on l'a dit. Non, c'est E, 101. Ouais. J, K, F, ouais, F, J, K, L, M. Non, mais en fait, on cherche le I après. Hein. G, c'est 103. H, 104. Et 105. 104, 105. Ça n'a pas de sens. Hein. Du coup, faut que je tape tout ça. Volaille. Ça a l'air d'être ça. Hein. Du coup, petit cancanou, tu t'es mis hors jeu parce que tu savais déjà? Ok, niveau 7. On a fait 39 minutes sur celui-ci. Niveau 7. Donc là, il y a un bouton musique à l'envers. Donc, alors, je vais peut-être baisser le son du truc parce que vous allez suivre avec moi. Alors, écoutez bien. On dirait un hélicoptère. Il n'y avait pas une histoire de son diabolique chelou à un moment où il fallait genre augmenter le son dans ses oreilles. Bon, excusez-moi, je vais voir si on peut. Non mais c'est grâce à toi, donc tu t'as disparu, j'entends rien. On peut réécouter, monsieur? Message caché satanique, donc tu... Ouais. Indice. Ah, donc ça, c'est le son. Oh non, faut récupérer le truc. Oh, j'avais oublié cette histoire. Faut récupérer... Alors, il faut que je récupère le logiciel, je crois. Bon. Voilà. Faut réparer les erreurs avec Sound Record. Est également connu sous le nom de fichier de Sound Record Accessory. A été créé par Microsoft pour l'élaboration de Microsoft Windows. A été d'abord développé en 2001 dans le système d'exploitation. Est-ce que ça fonctionne toujours ça? On n'entend rien, oui. Ok. Ça a le son de pourri, en fait. Ouais. En fait, faut juste que je remets la Euronews. En fait, c'est un son qui a été modifié. J'essaie de récupérer le logiciel, là.
Je sais pas pourquoi il veut pas le lancer là. Il veut pas lancer le téléchargement. Non, je... Ah, peut-être, oui, tu penses. Parce que moi, je me rappelle qu'il fallait utiliser le... Ouais, il faut utiliser le logiciel pour pouvoir modifier le son. J'arrive pas à le récupérer. On va devoir passer celui-là, je crois, parce que j'arrive pas à le récupérer. Je sais pas pourquoi il veut pas là. Ah ouais, non, mais laisse tomber. J'y arrive pas, hein. Attends, 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 attends. Comment? Oui, un hélico. Oui, c'est un hélico, ouais. Alors, j'ai coupé le son exprès, petit cancanou. Ça ressemble à un hélico, mais en fait, je pense que c'est la réponse à la... pour passer. Et du coup, le truc, il faut récupérer le logiciel, tout ça, tout ça, tout ça, c'est compliqué. Et en fait, le truc, c'est que je sais pas si je l'ai déjà. Je vais regarder. Ça, c'est possible que je l'ai déjà. Hein. Après, c'est Sound Record 32. Non, ça me paraît pas étrange qu'on sorte de la page. Je me rappelle avoir fait ça en fait. Et l'indice, c'est donc Sound Record 32.exe. Mais je me rappelle être sorti, par contre je me rappelle plus. En fait, faut l'enregistrer, je crois, et augmenter le son. Donc je vais essayer de le faire. Alors laissez-moi le temps, est-ce que j'ai Audacity dans le coin? Est-ce que j'ai Audacity tout court? Parce que je crois que je l'ai pas mis. Parce que c'est ça en fait, Sound Record, c'est un logiciel d'enregistrement, je pense. Permet d'enregistrer le bruit dans le format WAV de différentes audios disponibles. C'est un processus non essentiel, invalidé ou permettre de... Ouais. C'est le magnétophone Windows maintenant. Là, j'ai juste augmenté le son, donc du coup, je l'entends un peu mieux. Et je vais recouper parce qu'on a besoin de nos oreilles. Je vais essayer de voir si on peut faire un truc dans le mélangeur de volume. Est-ce que ce serait pas juste à l'envers en fait, tu vois? C'est un message satanique, faut le mettre à l'envers, faut l'enregistrer et le mettre à l'envers, c'est tout ça. C'est juste ça. Alors attends. Est-ce que j'ai un logiciel d'enregistrement? Parce que je vais peut-être pas récupérer Sound Record exprès pour ça. Là. Logiquement oui, mais ça va tout faire péter, j'imagine. On peut télécharger Run Son. Bah en fait le truc c'est que ouais, on peut attendre si tu as besoin de télécharger un logiciel, ça peut le faire. Ouais. Et du coup tu penses qu'il faut que je le mette juste à l'envers? Tu penses que si j'écris juste, tu vois, volaille à l'envers, on se retrouve avec le son? Volaille. Non, c'est pas ça. Essaye hélicoptère. Hélicoptère? À l'envers ou à l'endroit du coup? Ou sinon, je mets musique à l'envers. Juste parce que là, il y a le musique qui se transforme de l'autre côté. Je vais essayer musique d'abord et après on va voir. E, U, Q, I, S, U, M. Ce n'est ni un mot, ni un chiffre, ni une image qu'il faut mettre à l'envers.
C'est le son. Ça bug. Qu'est-ce qui bug? Oui, je vois que ça bug. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il a commencé à télécharger? Pas du tout. Ça bug beaucoup? Il est instable le live, ouais. Je vois, je vois. Ça bug pas beaucoup, ok. Bon, alors du coup, là, on entend bien, mais le truc, c'est qu'il faut mettre ce son à l'envers. Donc, comment qu'on va faire? Bon, en effet, il faut lire le son de l'hélico à l'envers. Des fois que. Ouais. J'ai pas de. Le truc, c'est que là, je peux utiliser un logiciel de captation que j'ai là. Je vais mettre les accents quand même. Même si ça se fait pas dans les trucs. Sinon j'écris à l'envers, on va voir. Mais je pense qu'il va me dire la même chose en fait. Des fois que. Ouais. On en aura fait 7 niveaux, hein. Putain. C'est dur, hein. Aïe. Et ça va être. On va faire un meilleur level la prochaine fois, je pense. Alors, le truc, c'est que là, est-ce que je peux. Ouais, je peux. Votre progression est sauvegardée, c'est bien, merci. J'ai pas de logiciel d'enregistrement qui est léger, quoi. C'est surtout ça le problème. Bon, je tente audition, on va voir si ça tient. Audition, il va pouvoir me le faire bien en plus. Mais le truc, c'est que voilà, c'est lourd à ouvrir. Donc on va voir. Mais en tout cas, je pourrais enregistrer directement le son tranquillement. Essayez avec l'accent, hélicoptère. Mais j'ai pas essayé sans, j'avoue. Ça risque de devenir instable du coup, vu que j'ouvre audition là, ça va être vénère. Mais déjà, ça a l'air compromettant là. Il a l'air d'avoir du mal à. En plus, j'ai mis un optimiseur et tout. Alors, vas-y, optimise-moi maintenant ma mémoire, histoire de. Alors oui, je l'ai cherché, mais le truc c'est que j'arrive pas à le récupérer, je sais pas pourquoi. Et là, je viens de cliquer sur audition, il est en train de se lancer. Donc ça devrait être bon d'ici peu. Bah ouais, mais le truc c'est que là, si je télécharge alors que je suis en live, ça va être chaud. Le mieux c'est que j'ouvre audition, quitte à faire trembler la connexion, quoi. On va voir ce que ça donne. Là, en plus, je suis en instable, je sais même pas pourquoi. Voilà. Ouais, bah ouais, mais. Ouais. Là, j'ai essayé d'optimiser ma mémoire pour tenter. Audition est en train de se lancer, ça prend toujours un peu de temps. Mais en plus, là, je suis en live, donc c'est compliqué. Ah là là. Ok, c'est bon, je vais essayer de vous montrer en plus ce que je fais. On va l'enregistrer, on va voir comment ça se passe. On s'en fiche du micro là. En fait, il capte le micro comme une nouvelle source du truc, mais on s'en fiche du micro, on veut pas enregistrer le micro. Là. Moi, je veux juste que tu mettes Internet Explorer, Audition. Voilà. Hop. Je vous montre ce que je fais en même temps.
Cancel. Ah, est-ce qu'on peut enregistrer du coup? Je vais couper le micro. Et ils disent que. Attends. Audio channel, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Ah oui, parce que je l'avais custom pour. Mais non, mais c'est bon là. Il fonctionne. Regarde, c'est bon. Casque, c'est bon. Mais moi, je veux default output. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Je vais juste couper 3 secondes mon micro histoire de. Et c'était pas celui-là, il est en train d'enregistrer mon micro. Putain de merde. Alors moi je veux que tu fasses une autre entrée, monsieur, s'il vous plaît. Arrête d'enregistrer ce truc, c'est nul. C'est nul ce que tu fais, c'est nul. Alors, preset, non. Il faut que tu choisisses que l'entrée ce soit. L'entrée, il faut que l'entrée du. Que ce soit pas le micro, faut que ce soit. La sortie, l'entrée, ce soit la sortie. Hein. Comment te dire? Ils sont où les presets déjà? Voilà, préférence. Général, audio hardware, c'est ça. Donc, input. Voilà. Ah, il oblige le input de l'audio à Dane. Est-ce qu'il va aller, ça va marcher là ou pas? Non, là, il est en train d'enregistrer ma voix encore. Pourquoi c'est toujours compliqué quand on a, me dit-on. Oui, ben oui, mais pourquoi c'est toujours compliqué quand on enregistre juste un truc pété? Sinon, voilà, hein. On essaie de se le faire à la main. J'essaie d'écouter à l'envers en mettant mon casque à droite du côté de la gauche. Ouais, c'est à cause du micro, je sais, mais je veux juste que tu enregistres ce qui est sur le truc, s'il te plaît. S'il te plaît. Vas-y, s'il te plaît. Allô, bonjour, vous m'entendez toujours, hein? Bonjour. Ok, là il n'enregistre pas ma voix normalement. Je l'ai changé d'interface audio, on va voir si ça fonctionne. Toujours pas. Eh bien merci audition, je sais pas exactement quel est ton problème du coup. Wasabi? Est-ce que ce serait ça? Oui, c'est bon, le device il est bon. Attends, vite, clique. Non mais c'est bon. Enregistre! Do you want. Attends, has no input channel. Mais si! Là, le input channel, wesh. Qu'est-ce que tu me racontes? Tech exclusive control of device. Voilà. Non. Peut-être pas exclusive, s'il vous plaît. À l'envers plus accélération. Ouais, mais le truc, c'est que là, j'arrive même pas à capter le son. Il enregistre rien, là. Settings. Excusez-moi. Pourquoi il a désactivé output? Ah oui, mais. Moi, je veux que tu l'actives. Voilà. Excusez-moi. Bonjour, vous m'entendez toujours? Ok. Il y a peut-être un double micro là. Juste 3 secondes. Je fais juste un test. Hop. Hop. On remet. Voilà. Oui, continue. Oui. Alors. Master clock. Oui. Oui. Je sais pas pourquoi il veut pas capter juste le son de output. Oui, ok.
Moi, je veux juste que tu captes l'un. Mais pourquoi? Tout ça à cause du micro. Tu m'embêtes, hein? Vous voulez pas le faire de votre côté? Parce que moi, j'y arrive jamais, en fait, là. J'y arriverai jamais. Faut que je récupère l'audition. Je sais pas du tout pourquoi ma voix est super grave. Est-ce que c'est parce que j'ai. Je sais pas. Je change des trucs là au niveau du son, donc c'est possible que j'ai fait n'importe quoi. Est-ce que c'est bon là? Est-ce que vous m'entendez bien? Je comprends pas si c'est plus grave ou pas. Est-ce que c'est plus grave? Allô? M'entendez-vous? Bonjour? J'essaie de vous parler. Est-ce qu'il veut bien enregistrer mon truc? Non, pas du tout. Bonjour. Vous entendez ma voix actuellement? Ceci est ma voix. Faudrait que je déconnecte le micro, je pense. Et après, je l'enlève. Mais là, c'est trop compliqué en live, là. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Pourquoi on s'est lancé dans ce truc? J'ai toujours la voix de grand corps malade? Non. Je rigole. Attends, je vais écouter. Je vais écouter. Je vais te dire. Je vais écouter parce que je suis curieux. Je vais écouter mon live. Alors, il paraît que j'ai un problème de voix. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux regarder mon live déjà? Excusez-moi, merci. Voilà, je suis en live. Bonjour. Excusez-moi, merci. Bonjour. Voilà, je suis en live. Bonjour. Ah oui, en effet, j'ai un peu la voix grave. Bonjour. Ah oui, en effet, j'ai un peu la voix grave. Alors, je sais pas exactement pourquoi. Alors, je sais pas exactement pourquoi. On dirait que ta voix est au ralenti. Ouais, mais là, j'ai tellement modifié des trucs, là, juste avec... C'est possible que ce soit à cause de l'audition. Hein. Peut-être que juste d'ouvrir l'audition, il a commencé à faire des trucs bizarres. Bon, là, je cherche, hein, je cherche, properties. Est-ce que je fais nouveau? On va voir ce que ça fait nouveau. Nouveau, on va peut-être ouvrir une nouvelle channel. Audio file. Juste audio file, stéréo. Oui, ok. On va juste, je vérifie juste. Ouvrir un nouveau truc pour moi. Sinon, on est obligé de passer. Je m'en rêve. Franchement, j'utiliserais tellement peu Audition que je sais pas en fait comment faire vraiment. Alors, apparemment, j'ai des effets sur Audition. Là, ils sont pas actifs, donc c'est ça qui me paraît bizarre. Donc peut-être qu'il y a eu un petit problème. Est-ce que je peux toujours pas enregistrer autre chose que mon micro? Je crois que c'est le cas. Ouais, ça a l'air bien d'être ça. Effet loop. Effet loop. Ok, on close. Et je vais faire new pour essayer. Audio file juste, du coup. Donc là, j'ai fait juste new audio. Et du coup, je vois pas. Il est où mon truc là? Faut que je fasse multi-track session. Ah, et vous savez quoi, hein? Yes. Ah, il va me demander de sauvegarder. Peut-être que ça va fonctionner. Hein. Alors, des fautes. Microphone, non. Master. Non, haut-parleur. Haut-parleur. Voilà. Là, il y a le haut-parleur. Oui, mais ça, c'est sorti. Parce que ça, c'est l'entrée et ça, c'est la sortie. Moi, je veux l'inverse, en fait. Audio. Et en fait, il me force mon microphone, là. Ok. Alors, hop, je quitte. No to all. Je vais essayer autre chose. Non mais c'est pas ça du tout. Oh là là, je clique en n'importe quoi.
Alors, dites-moi si ma voix a changé vu que j'ai quitté audition. Là, normalement, ça devrait un peu plus fonctionner. Est-ce que ma voix est toujours ralentie? Allô, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, vous allez entendre un petit bruit d'un petit fruit qui, lui, va pas m'embêter justement son enregistrement. Voilà. Bonjour, Fruity Loops. Comment allez-vous? Alors, Fruity Loops, pareil, c'est un logiciel que j'utilise très peu. C'est pour faire de la musique. Donc, normalement, je pourrais. Là, je. Au niveau des hardware et des entrées hardware et compagnie, normalement je devrais avoir la possibilité de pouvoir y arriver. C'est bon du coup. Bon, donc c'était bien. Je pense que en fait il arrondit le son audition. Parce que je lui avais demandé d'arrondir les sons la dernière fois. Je vais essayer de vous montrer du coup la tête de Fruity Loops. Voilà. Modification, hop, hop. Donc là, normalement, je pourrais avoir un enregistrement tranquille. Donc, audio into the edition, yes. Et je veux que tu enregistres ça. Device, input, voilà. Ok, c'est bon? Tu peux enregistrer du coup? Please adjust your settings. J'avais oublié que c'était souvent très compliqué d'enregistrer. Bon, alors du coup, on va voir. Bonjour. Là, et s'il enregistre là? Il le capte pas. Il le capte pas du tout. Il le capte pas du tout. Pourquoi j'ai sorti ça au fait? Pourquoi j'essaye de m'amuser à faire ça en fait? Je sais plus. Monsieur, je veux que vous enregistrez quelque chose. Oh là 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 là, mon Dieu. Alors, je veux qu'il enregistre tout. Là, je lui ai demandé de tout enregistrer. Donc, faut que tu montres. C'est où que tu enregistres? Alors, attendez, je vais augmenter ça parce que je vois pas bien un truc. Comment te dire? T'es dans pattern 1, d'accord. Mais il est où le pattern 1? Il est là, hein, normalement. Il est où ton pattern? Oh là là. J'avais oublié qu'il était compliqué aussi à gérer. Non mais. On n'est pas là pour faire de la musique. Montre-moi où j'ai enregistré mon truc. Il m'embête lui. Bon, attendez, je vais supprimer tout ça parce que je sens que c'est parce qu'il ouvre des trucs à chaque fois. Delete. Delete, delete, delete. Voilà, le sampler. Ok. Je vais te mettre sur 1. Il faut que je te mette sur 1 de toute façon. Est-ce que tu peux enregistrer tout? Mais il capte rien! Bonjour. Bonjour. Ok, bah oui, tout à l'heure, petit enquête. Le temps qu'on trouve. Je pense que ça va pas marcher, hein. Ça veut pas marcher là. On est d'accord. Il veut pas m'aider. Oh là là. Je vais récupérer. On revient à zéro. Hein. Excusez-moi de cette attente. On va récupérer Audacity. Sais pas pourquoi ça marchait pas sous nos records à récupérer. De toute façon, Audacity, je comprends même pas pourquoi je l'ai pas.
C'est où? Mais... Voilà, installeur. Je vous le zip, merci. Ah, merci. Donc il y a Audacity qui arrive. Est-ce que Audacity va fonctionner? Est-ce que tout va bien se passer? Nous serons dans le prochain épisode de Benjamin essaye de faire un speedrun. 13 bis. Benjamin, enfin bref, voilà, vous avez compris. Bon alors normalement voilà c'est censé être arrivé, tout va bien, on n'a pas tué le stream, j'ai toujours une voix normale, on y est et on avance petit à petit. Ok. Audacity est arrivé. Alors, je cherche la fenêtre d'Audacity, monsieur. Hop. Je vais baisser, hein, je vous rassure. C'est juste qu'il s'ouvre en carré. Voilà. Bon, je vais couper le micro, on va voir. Sont qu'ils captent tout son micro, mais ils veulent pas capter du tout. Alors là, j'ai changé un truc. On va voir si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas et en plus il capte mon micro. Encore une fois, j'en peux plus. J'en peux plus. Mon micro a décidé d'être l'audio interface. Du coup, je vais faire un truc. Je vais juste couper mon micro 3 secondes et revenir. Ok?
Bonjour. Bonjour. Ça a fonctionné, je crois. On va écouter. Je vais juste couper le son, hein. Voilà. Là, normalement, ça fonctionne. Donc, ça arrive à 15 secondes. Voilà, ici. Donc, ça, faut le garder. On va couper même. Et on va supprimer tout le reste. Et on va faire une nouvelle piste, s'il vous plaît. Nouveau. Est-ce que je peux faire coller direct? Oui. Merci, merci Audacity de ta simplicité. Donc, on a le son. On a le son. Vous avez... Ouais, ma voix est renormale. J'ai dû. En fait, c'est juste que j'ai fait des modifs sur mon PC, sur la manière dont il capte. Le son, donc du coup voilà. Donc là on a le son, il faudrait que je l'inverse déjà, je pense. On va déjà l'inverser. Alors, tac tac tac, comment je fais déjà l'inversion? Piste de rythme, bruit, gazouillis, ajouter, non, effet, voilà. Effet inversé. J'ai vraiment inversé là? Mais non, c'est inversé, mais c'est n'importe quoi! Oh là là, il a inversé juste sur... Alors voilà, on prend tout. Je vais faire CTRL A. Effet inversé sens, parce que j'ai pas compris pourquoi il a inversé juste le... Voilà. Maintenant, écoutons. Ouais, et du coup, est-ce qu'on peut augmenter, changer la vitesse, voilà. On peut la mettre, on peut mettre en boucle, je crois, sur. Je crois qu'on peut mettre en boucle. Alors, je vais essayer de diviser enfin, je vais multiplier par deux, déjà. C'est pas, ça a pas l'air suffisant de multiplier par deux. On revient à la base. Voilà, vitesse par 3. Mais c'est un lion. Non? Pourquoi il y a la flèche qui monte le son, tout ça? Faut monter le son, faut compresser, je comprends pas. Je commence à me poser des questions là. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce qu'il faut réparer aussi? Bon, on va essayer du coup d'augmenter encore à 5 pour voir. Ah, ça commence à devenir une voix un peu. Est-ce que vous avez remarqué ou pas? Je remets. Ça commence à devenir une voix. Ça commence à devenir très compliqué aussi. Je reviens en arrière. Donc là, on était à 5. Il faut que j'augmente à 6. Ouais, de toute façon, les calculs à 6, j'ai remarqué, dans la musique, c'est souvent ça. Difficile à distinguer, ouais, c'est compliqué. Alors, à 6. Oula. Téléphone. Ouais, c'est téléphone, je crois. 6, c'est pas mal, hein. On va essayer de recommencer. Annuler. Hop. Je crois que c'est téléphone. Changer le tempo, changer la vitesse. On va mettre 7. Téléphone. Ouais, téléphone, c'est ça, hein? Est-ce que tout le monde est d'accord? Changer la vitesse 8, on va mettre. Téléphone. Ouais, c'est téléphone. Alors du coup, on vérifie juste, juste pour pouvoir le plaisir d'avoir le son capté après tout ce temps. 9. Téléphone.
Oh, ça commence à devenir. Eh, ça devient beau, hein. Bon, allez, hop, 10. Téléphone. Voilà. Et on commence à avoir une voix un peu humaine. On va remettre. 11. Téléphone. Ouais, super. Ah, attends, attends, attends. On va avoir la vraie voix. 12. Téléphone. Ouais, voilà. Donc je pense que ça, c'est à peu près la même voix que la personne qui l'a fait. On va essayer de vérifier juste avec 13. Téléphone. Ouais, 14 peut-être. Je suis content parce que je suis pas allé jusque-là. Hein. La dernière fois, je me rappelle que j'avais réussi. Téléphone. Et ouais. Téléphone. Voilà. Je pense qu'on est entre les deux, hein, entre 14 et 15. Voilà. Donc, clipé, hein, parce que ça, Téléphone. c'était magnifique à trouver. On a pris du temps, mais au moins, c'est bien, on l'a trouvé. Donc, je vais quitter Audacity. Sauvegarder le projet. Non, c'est bon, merci. voilà. Et du coup, téléphone. On aura pris du temps, mais c'est bien. C'est bien, on l'a fait. On a pris beaucoup de temps, ouais, même 1h22. Ok, 5, 7, 5, 2, 7. Donc là, ça doit être le T9, c'est ce que je parlais la dernière fois. 5, 2, 7, 4, 6. On va vérifier ça tout de suite. Alors, canard, hein, qui est peut-être dans le coin, non. Je ne crois pas. Hop. Bonjour canard, petite référence. 5, c'est JK ou L. 2, c'est AB ou C. Donc JA, on va dire. 7, JAP, si c'est le premier. Je crois que c'est ça. Hein. Ah non, il y a des chiffres aussi sur les gens. Elisha Gray est marqué en haut. Elisha Gray. Moi j'arrive à lire. Est-ce que vous arrivez à lire toutes les lettres là? Tous les noms? Il y a deux fois, trois fois, trois fois cinq. Donc trois fois cinq sur le T9. C'est L. Il y a trois fois quatre. Alors attends. L. Ensuite. Alors le premier c'est L. Alors, je sais pas si je. Non, il n'y a pas de majuscule de toute façon, donc L. Le deuxième, c'est. Il y a deux, et il y en a un. Alors, le deux, c'est A. Donc, A, logiquement. Le 7, il y en a un. C'est lapin. C'est lapin. Je pense que c'est lapin. 4, il y en a 4, il y en a 3. Oui, c'est ça, c'est lapin. Et le N, il y en a 6. Ouais, c'est ça, 2. Lapin. B pour 2. Non, 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 c'est lapin, en fait. Quand tu regardes ton téléphone, tu regardes les touches et en fait, tu trouves. Là, c'est lapin. Faut que j'écrive lapin en haut, j'imagine. Non, fallait pas écrire lapin ici, fallait écrire lapin là. La pute. J'ai tapé lapin, monsieur. Voilà. Page introuvable, on a passé. Le document autant pour moi pour un HTML n'existe pas. Une erreur inconnue s'est produite. Ok. Autant pour moi point HTML. Il y a une erreur en haut. Oui, parce que c'est pas autant. T-A-U-N-T, c'est autant le EMPS, non? C'est pas un truc comme ça? Ouais, c'est ça. J'espère que c'était ça. Là, on est en train de les enchaîner, hein. Donc, 6 œufs. Il y a des points sur les côtés. Vous voyez les couleurs. 6 œufs, de la farine, du sucre, du coca, du pain, des chips, des cotons, du pain pita. Ta, pit, pic, je sais pas. Bière, PQ, sel, Perrier fluo, dentifrice, tofu. Et il faut trouver violet plus orange et plus vert égale.
J'ai oublié d'acheter un truc, mais quoi? Donc là, imaginons. Je relis. Alors, je vais essayer de. Est-ce qu'on peut le faire avec le truc du stream? En fait, faudrait. Je pense qu'il faut relier les choses ensemble. Est-ce que je peux le faire là, vite fait, en live? En live, en direct? Hop, hop. Hop, bonjour. Bonjour. Alors, je sais pas pourquoi, mais est-ce que vous m'entendez? Ça rame de mon côté? J'ai l'impression que ça rame de votre côté aussi. Excusez-moi, bonjour. Alors, c'est bon, là, ça a l'air de fonctionner. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est le son là qui avait l'air de ramer de mon côté. J'ai toujours un bon débit pourtant. Alors là, ce que je disais, c'est qu'à mon avis, il faut relier. Du coup, pour faire du violet, il faut relier le rouge avec le bleu. Donc, imaginons comme ça. Bleu plus rouge, oui, on entend. Okay. Et bleu plus rouge. Du coup, je vais essayer de voir si on peut faire une sorte de petite flèche, un petit truc. Ah, j'ai pas oublié de remettre la musique de la folie. Voilà. La musique de la folie, s'il vous plaît. Excusez-moi. Pourquoi vous ne marchez pas? Voilà. Tu peux rester ici, merci. Voilà. Hop. La musique de la météo. La météo. Oh oh. Alors j'essaie de récupérer ce que j'ai fait comme bêtise. Mais il veut pas bouger. J'ai fait un truc comme ça. C'est peut-être un peu grand, 200. On va mettre 200. Je vais le mettre au centre. Voilà. C'est ça le problème, c'est qu'on peut pas vraiment tourner avec. Bon. Du coup, imaginez qu'il faut tracer des trucs, hein, parce que ça va être ça. Je vais baisser un peu le son de mon retour parce que je suis en train de me faire crier dessus par Euronews là. Alors, du coup, rouge plus bleu, logiquement, si je prends. Je sais pas, est-ce que j'ai un truc pour pouvoir faire une ligne droite? J'ai des papiers, mais est-ce que ça suffit? Donc là, il y a le pain pour le rose, plus orange, ce serait rouge et jaune. Ça marche pas, il n'y a rien en fait. En fait, il y a des trucs, je sais pas si vous voyez, il y a des trucs écrits sur le post-it. Alors, je regarde l'indice. Hein. Et en fait, il y a des trucs rayés. Ouais, c'est ça, faut relier, on est d'accord. Est-ce que je peux relier ça? Je peux pas cliquer sur les trucs pour les relier vraiment. Donc vert, ce serait bleu et jaune. Bleu et jaune. Compliqué, hein? Compliqué, compliqué. Je vais essayer de faire une capture d'écran. On va se mettre sur Paint. Si on a Paint. Je sais même pas si j'ai Paint. Parce que je me suis débarrassé de Paint.
C'est fort possible. Violet, ça fait bleu plus rouge. Oui, Nibbler, c'est exactement ça. Mais la question c'est, est-ce que je peux vraiment lier les trucs, quoi? Donc là, je suis en train d'ouvrir Illustrator pour le 70 000e truc à ouvrir, quoi. Attends. Intersection du trait jaune, jaune et rouge, rouge pour le orange. Donc toi, tu penses qu'il faudrait lier le rouge avec le rouge et le jaune avec le jaune, t'as l'intersection, c'est le pinpita, je crois, hein, à peu près. Et du coup, du bleu bleu avec le rouge rouge, mais ça se touche pas, c'est parallèle, non, presque, enfin semi-parallèle. Tu vois, pour le violet. Donc ça marche pas. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire les couleurs avec les liaisons. On va checker, on va voir. On va voir. Déjà, quand on ait fait 10 niveaux, je trouve ça fou déjà. Mais ça ira plus vite la prochaine fois du coup, parce qu'il faudra juste s'en rappeler peut-être. Quoique, non, en fait, le mieux ce serait qu'on recommence là où on en était. Si on, parce que je sais pas, on n'aura pas fini, c'est sûr. Du coup, là, l'idée, c'est surtout de d'aller vite, quoi, sur le maximum qu'on peut faire et d'essayer de voir jusqu'où on peut aller. Ça serait cool. Là, il y a Illustrator qui se lance. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous montrer la tête que ça donne. Ah, mais je vois qu'il capte déjà. Alors, on revient sur. On revient d'ici peu sur. Sur le site. On va juste faire un peu de. De Illustrator, voilà. Donc là, on est sur Illustrator. Alors, du coup, pour les liaisons convalentes, hop, on a besoin de ça. Alors, le rouge. Eh, mais c'est du violet là! Non, mais bon, vas-y, hop. Ça c'est le changement colorimétrique de Illustrator. On va augmenter la taille de ce truc. On va mettre 5. On va mettre 10 pour que tout le monde le voit. Donc ça c'est rouge avec le bleu. Ça fait violet. Rouge avec le bleu, ça fait violet. Orange, c'est jaune et rouge. Et vert. Donc jaune et bleu. Faut faire tout. J'essaye tout, hein. On essaie de voir. C'est le sel. Il a oublié le sel, je crois. Parce que le seul truc qui n'est pas barré, c'est le sel. Il manque un violet, peut-être, non? Ouais, c'est celui-là. Et celui-ci. Et le vert, c'est bon, on a fait vert. On a fait tous les verts, là, ouais. On a fait tous les oranges. Non. Et on n'a pas fait celui-là non plus. Moi, je dirais que c'est celle.
Je sais pas ce que... C'est bon? On a fait? Ouais, les cou... Ouais, alors c'est les couleurs ensemble, mais est-ce que ce serait pas... Tu veux que j'essaye les couleurs ensemble? J'essaye d'abord de voir si ça fonctionne et après on voit si c'est... Si c'est moi qui me suis foiré et du coup que c'est toi qui as raison sur le coup. Ouais, je pense que c'est toi du coup. On revient du coup sur... Sur notre figure, je supprime tout. Donc jaune avec jaune. Rouge avec rouge. Bleu avec bleu. C'est pas suffisant. Il y a trop de trucs là. Non? Ouais, mais les liens entre couleurs, oui, mais là par exemple, c'était pour moi, c'est sel.htm, tu vois. Ah non, mais parce que, excusez-moi, j'ai fait une bêtise, je l'ai écrit en haut alors qu'en fait, faut pas l'écrire en haut. C'est peut-être ici juste. Non, c'est pas ça. Il a pas oublié le sel, apparemment. Du coup, on revient sur. On revient sur ça. Noir aussi et blanc. Pourquoi noir et blanc? Ah, tu penses qu'il faut faire vraiment tout, tout, tout? Il n'y a pas les couleurs de noir et blanc, c'est ça le truc. C'est le tofu? Ou le Perrier? On va mettre tofu. Ça marche pas. Tofu, ça marche pas. Hein. Noir avec noir, c'est bon. Jaune avec jaune, c'est bon. À part si tu fais après les couleurs, hein, mais on revient à la même chose que tout à l'heure, quoi. En fait, je vois pas pourquoi le sel il fonctionne pas là, du coup. C'est le pain? C'est le pain? Il y a le pain aussi qui est libre là. Pas le pain non plus. Ah mais c'est... En fait c'était pas violet, moi je le vois violet. Pourquoi je le vois violet là? C'est gris en fait. Je comprends pas pourquoi je l'ai vu violet. Attendez, je recommence du coup. Je l'ai vu violet pendant un temps, peut-être que j'ai squatté les... Trop de couleurs rouges là dans ma vie. Je vous remets... Voilà. Bon, je réessaye comme je pensais. Hein. Ouais, pour moi aussi c'était violet, mais là ça a changé, on dirait c'est gris. C'est moi, hein? Peut-être Coca, hein? J'ai essayé Coca, hein? C'est pas ça non plus. On va tout essayer, tu sais. Bon, alors on recommence à zéro again. Donc du coup, pour faire du gris, il faut du blanc et du noir. Donc on va faire les lignes de blanc et de noir et on va pas mélanger les trucs. Blanc, noir, ok.
Donc ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est possible. Ok. Orange, il faut du rouge et du jaune. Et il y en a là-haut aussi. Et ensuite, le vert. Donc le vert, c'est bleu, jaune, mais aussi ici et là. Si je dois utiliser toutes les couleurs et de les, comme tu disais, Nibbler, de les mettre ensemble. Ça veut dire qu'il faut que je mette toutes les couleurs utilisées. Et du coup, qu'on surinterprète tout. Donc là, il y a le pain, le tofu et le PQ. Est-ce qu'en plus, il faut que je fasse le gris? Genre noir avec. Voilà, comme ça. Et orange. Comme ça. Et vert. Là, il reste que le pain, hein. J'augmente le truc au fur et à mesure. Je fais tout. C'est le dentifrice? C'est quoi? Orange pita. Gris sucre. Pourquoi? Gris sucre, orange pita. Ah, c'est ce qui touche, tu penses, la première chose qui touche? Gris sucre. Ah, tu veux dire les croisements, c'est ça? Genre comme ça? Ouais. Donc, ce qui croise. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Ok, on va essayer. On va continuer du coup. Du coup, jaune avec jaune. Ça fait jaune et rouge. Chips. Non. Le pita. Ok. Comme tu dis. Violet avec violet. Ça fait E. Donc c'est les œufs, le pita plus le vert, c'est le sucre, c'est ça? C'est ça? Sucre, pita, ouais, mais comment je l'écris du coup? Sucre, pita, œufs? Mais tu disais, oui, tu disais ça dès le départ, d'accord, mais comment je l'écris? J'écris tout ça là, sucre, pita, œufs. Ça marche pas, hein. Sucre plus pita plus E, ça fait quoi? Est-ce que c'est pas la lettre? Tu vois ce que je veux dire? Donc U. Alors R. Attends, je vous remontre. U. R. Et là, on est à I. Non, c'est A. U. R. Ah, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Il a oublié de l'eau. C'est EAU, en fait. E de sucre. U de eau. De E. Et ça doit être de l'eau qu'il manque. On va essayer. Vous êtes prêts? C'est ça. Allez, on recommence. Page 2. Page 2 bis. Point JPEG. Bah, on va récupérer du coup. Page 2 bis. Point JPEG. Est-ce qu'on peut voir la page 2 bis?
Bonne chance pour accéder à l'énigme 12. Swan. Bonjour Swan, page 2. Donc page 1, page 2, page 2 non bis. Non, il n'y a pas. Page 1. Il n'y a pas de page 1 JPG ou de page 1B JPG. Je l'ai effacé par inadvertance. Désolé. Aïe, aïe, aïe. Ça devient compliqué. Il n'y a pas de page 1 JPG. Bon, on va essayer quand même. Hein. Ou de point B. Je l'ai effacé par inadvertance. Ok. Ok. Bah, page 3. Page 3, il n'y a pas. Est-ce qu'il faut... Alors, au niveau détail, la solution était la première page, mais je l'ai perdue. On va regarder l'indice. Hein. Vous ne trouverez jamais la page 1, il ne reste que la page 2. Donc, il faut, je pense qu'il faut faire une modification Photoshop. On va checker. Hop, page 2. Point JPEG. En fait, il faut augmenter le contraste, là, je pense. Si j'augmente le contraste, là, de la capture d'écran, est-ce que ça change quelque chose pour vous? Dites-moi. Fenêtre. Chrome. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, la réalité, hein. Tu vois? Je vais essayer d'augmenter pour vous, juste. Dites-moi si... Si les modifications peuvent voir quelque chose. Alors, transformer. Est-ce que je peux faire de la modification déjà? Je sais même pas. Je crois pas. Hein. Si, je peux faire un filtre. Alors, je vais afficher un filtre. Je vais essayer de faire une correction colorimétrique avec. Terminé. Voilà. Vous êtes prêts? Prête? On va voir. Alors, on baisse le gamma. On augmente le... Est-ce que vous voyez mieux? Parce que moi, je le verrai pas. Hein. Donc là, j'ai baissé le gamma déjà. Moi, je suis pas sûr que ce soit Go et Enigme 12. Je pense qu'il y a écrit un truc. En fait, ça doit être derrière. On baisse la luminosité. Là, tu vois, on voit écrit un truc, là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que t'arrives à lire? Ou c'est moi? Non, la teinte, c'était une mauvaise idée de changer ça. Je vais revenir, on va refaire. On va recommencer. En attendant que j'ouvre, parce que je pense que ça c'est une modification Photoshop, on va essayer. Alors là j'ai baissé le truc, j'augmente le contraste. Pourquoi ça change la couleur, le contraste là, je comprends pas. Voilà, peut-être là, luminosité on la baisse. Saturation, est-ce qu'on peut saturer un peu plus, baisser un peu, ouais. Oh. Moi je vois rien, je suis désolé. Hein. Là je pense que c'est le mieux. Je vais mettre 0 ici parce que ça c'est 0. Je peux pas faire mieux, hein, je crois. Je vais essayer de rajouter un truc. Netteté. On va augmenter avec la netteté. Tududun.
Tu vois pas non plus? Ok, bon, on va le faire sous Photoshop là, il est en train de s'ouvrir. Je vais faire une capture d'écran. Je vais juste enlever les filtres parce que on va garder l'énigme intacte. Voilà. Ça charge bien. Ça charge bien, ça charge bien. Alors c'est censé arriver là. Ok. Je vais essayer de vous montrer ça. Mais pourquoi ça montre ça? C'est quoi ça? Il a disparu ça? Je comprends pas ce qui... Mets-toi à jour, wesh. Voilà. Merci. Alors, je vais baisser la taille, là, parce que ça devient incroyable. Hop. Je vais rogner mon image parce que en fait elle est archi fade pour rien. Bon. Voilà. Donc là je vois un peu mieux et je vois autant que vous normalement. Donc ça devrait être bon. Hop, on va faire un petit effet filtre. Je sais pas. On va faire. Déjà, on va faire un petite modification juste de mode. Adjustment, ouais. On va faire le brightness, contraste. On va faire au fur et à mesure. On va voir ce que ça donne. Alors là, normalement, voilà. Merci. C'est juste que voilà, j'ai deux écrans donc. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. On essaye un autre truc. Alors là, ça c'est la saturation. Je regarde les effets proposés directement. Commence à déchiffrer un truc, mais c'est dur. Hein. Parce qu'en plus, il faudra sans doute déchiffrer à l'envers. Bon, je continue. Ça, c'était. Voilà. Color balance. Ça peut aider, peut-être. Ça aide pas du tout. Bon. Je pense que c'est plus simple que ça. Déjà, est-ce qu'on peut mettre en noir et blanc? Voilà. Et ensuite, est-ce qu'on peut modifier les couleurs? Voilà. Donc rouge, non. Le jaune. Ah.
En fait, je suis en train de me poser la question parce que c'était un post-it aussi, la 11. Est-ce que c'était pas dans la 11? Ah mon Dieu, je sais pas. Je suis sûr qu'il y a écrit un truc, mais je le vois pas. Je teste tout, hein. Infrarouge. Maximum black. Maximum white. Densité neurale, filtre rouge, filtre jaune. Ouais, bon, là j'ai essayé des autres trucs automatiques hein, pour voir. Hop. On va être désaturé. La désaturation c'est bien, mais c'est le problème c'est qu'après tu peux pas retoucher les trucs. Bon, on va essayer de faire un truc déjà. Est-ce qu'on peut faire là, juste hop, dupliquer ça. Je duplique, on va déjà le mettre à l'envers parce que je sens qu'il va falloir lire à l'envers de toute façon, donc tant qu'à faire. Alors, non. Oui. Hop, et déjà on va voir. Alors, je vais le mettre en noir et blanc pour voir si ça fonctionne quelque chose. S'il y a un truc qui se passe. Non. On réessaye nos petites modifs. Les levels. Alors les artefacts c'est bien mais waouh. C'est trop. En fait je serais incapable de le lire. Hein. Quoi qu'il arrive, je serais incapable de lire, j'ai l'impression. Je crois que. Alors, je vais le laisser ouvert pour voir, mais on va revenir sur le site. Parce que je sens que. En fait, on se surcharge. Donc là, par exemple, c'est O, page de B, JPEG, c'est. Donc, du coup, on essaye d'aller sur la page de B. Mais quand ils nous disent ici, vous ne trouverez jamais la page 1, il ne reste que la page 2. Ok? Du coup, faut pas chercher la page 1, du coup. Ouais, c'est ce que je me dis, c'est ce trou, c'est là, hein, tu vois, c'est dans le coin. Donc, on va dans la page 2. Parce que la page 2, elle nous aide, il y a écrit un truc aussi sur la page 2, uniquement, pas bis, mais la première page 2. Bah pourquoi ça marche plus? 2A, ah peut-être ouais. On va essayer 2A. Ah bah ça y est, c'est plus lisible, c'est télévision.html. Waouh, c'était alpha et bêta, j'imagine. Merci, Nibbler. J'aurais pu faire des modifications jusqu'à la fin de ma vie, j'aurais pas pu lire. Ok, donc là on est sur la télévision. Est-ce que je peux allumer la télévision? Je ne peux pas allumer. Ah si. Il y a marqué Hans.htm. Est-ce que vous lisez là? Il y a marqué Hans. Donc on va aller voir Hans. Ok, on est dans la 13. Alors, caméraman Aurélien Rouge. Assistant caméraman Nathalie Prel. Olivier Poix. Effets spéciaux. Ah, on sait pas qui c'est.
Mais voilà, cadeau pour toi, Nibbler. Antoine Granger, donc le montage. Retouche numérique pour Antoine Granger et Olivier Poix. Donc Antoine Granger qui est. Du coup, je vais cliquer sur OK, vous êtes prêts? Réfléchissez avant de taper n'importe quoi, mais j'ai rien tapé, monsieur. Ah, faut écrire quelque chose dans effets spéciaux. Bon, alors du coup. J'espère que je n'ai oublié personne. Et il a écrit avec un point à la fin. Caméraman, donc c'est Aurélien Rouge. Assistant caméraman, il y a Nathalie Prel et Olivier Poix. Effets spéciaux, montage Antoine Granger, retouche numérique Antoine Granger et Olivier Poix. Olivier Poix, il fait assistant caméraman et retouche numérique. C'est écrit avec une typo de l'ancien temps, alias Fracture. Ah si, il manque la personne qui s'est occupée des effets spéciaux. C'est pas vrai, hein! C'est qui la personne qui s'est occupée des effets spéciaux? On va mettre Antoine Granger. C'est pas ça? Pourquoi Nathalie? Nathalie Prel, pourquoi? C'est pas Hans? Hans quelque chose, genre? Vu que c'est la page. Non, c'est pas. Na Alors, je vais faire OK. C'est pas Nathalie. C'est Antoine Granger, peut-être, lui-même. Ce n'est pas Antoine Granger. C'est la seule qui est là qu'une fois, en effet. Aurélien Rouge aussi, hein. Je vais essayer Aurélien. C'est pas Aurélien non plus. C'est Hans. C'est peut-être Hans, hein. C'est pas Hans. Mais c'est Olivier normalement, ça devrait être Olivier parce qu'il est assistant. Il fait beaucoup de choses, Olivier, hein, par contre. Hein. Mais s'il est en retouche numérique, pourquoi il ferait pas de. Passe pas. Non, Hans, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Compliqué, hein, compliqué. Très très compliqué. Je réfléchis, j'ai pas trop d'idées là, j'avoue. Donc j'espère que je n'ai oublié personne. On est sur la page Lapin Hans. C'est peut-être Hans Zimmer, mais Hans Zimmer, c'est pas un mec qui fait de, il fait du son. Ah, c'est pas ça. Bah oui, mais ça on le sait, il s'est occupé, d'accord, mais. Ça peut être qui? Dur, hein? Ça fait 2 heures qu'on est dessus, c'est dur. On a fait 13 énigmes seulement, waouh! Je suis choqué. Franchement, je sais pas. Je vais réessayer Hans. C'est pas Hans. C'est toujours pas Hans. Je vais essayer tout le monde, hein. Effets spéciaux, tu penses qu'il faut que je. Ouais, c'est possible. C'est le mec qui. Parce que. Alors, FX, je vais le mettre direct. Comme ça, c'est plus rapide.
Hans Zimmer, tu vois, hansimmer.com. Mais Hans Zimmer, je crois qu'il est pas. Il est. C'est un musicien pour moi. Faut que je me trompe peut-être, mais. Compositeur de musique de film, tu vois. Donc c'est pas les effets spéciaux. Ah, les effets spéciaux de Hans. Ouverture facile, c'est la vidéo de l'une des énigmes sur ouverture facile. Ouais, bah oui. On a retrouvé. Douglas Smith. Ce seraient les effets spéciaux de Hans le film. Ah, mais c'est ça? Un film d'horreur. Avec tout le monde? Donc c'est Reel. Qui est l'effet spécial? Bidou. Antoine Granger et Olivier Poix, je le savais. C'est Bidou. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est la grande question. Ok, nous voilà face à un puzzle. Et en plus, un puzzle, plus faut déchiffrer après. On va mettre ça là. Merci encore, hein, Nibbler, d'être dans le coin. On y arrive, hein, n'empêche. Et ça, c'est une typographie, je crois. C'est Windings, il me semble. Windings, ouais, c'est ça. On va vérifier juste vite fait sur les. Il y a un translateur et tout, c'est trop bien ça. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. C'est Windings. Ok. On a un trans. En plus, on a un traducteur. Donc, c'est très bien. On va essayer. Alors, le A. Il y en a. Donc, le L. Ok. Ça, c'est bon. Je vais essayer de vous le faire en même temps. Comme ça, on va se le faire en parallèle. Donc ça c'est avec de l'espace. Ah, est-ce qu'il y a Z dans notre composition particulière? Mince, excusez-moi. Il n'y a pas l'air d'avoir de Z. E. Oui, ça il y a du E. L, L, E. Le I. Alors oui, I, peut-être qu'il y aura un I. Est-ce qu'il y a un I? Oui, il y a un I, mais plus tard. Alors attends 2 minutes. Hop. L'avion. T'as dit R. Le R, oui, il y a un R, mais c'est plus tard aussi. Mais c'est après le la, par contre. Faut essayer des consonnes. Le C.
Il y a le C? Non, il n'y a pas le C. Il n'y a pas V. Il n'y a pas B. Il y a N. Et plus tard aussi. Ensuite, il nous faut le losange. J'ai mis des majuscules, excuse-moi. Ah, le S, il est revenu le S. Il y a un S juste avant. Voilà, celle. Il y a un S avant le A S. Voilà, comme ça. Il y en a un à la fin aussi. Il nous faut le. Voilà. Le Q, il est là aussi. C'est ici. Donc on a un mot déjà, c'est. Là, on a deux mots qui sont côte à côte. Après, on a un peu plus de marge. Le U, peut-être. On va faire toutes les voyelles. Hein. U. Ah. Voilà, donc le U, il est là. C'est pas le S ici, du coup. Ouais. Donc R, j'imagine R. Non, T. T, il y est, hein, non? Ah oui, c'est peut-être un T à la place du S, hein. T. Ah, le T, il est plus fin que le S. Ah là là. T'as R et N dans ton mot. Oui, dans le début du mot, le premier. Je comprends pas. À la fin. Mais tu vois tous les trucs que j'ai mis ou pas? RN. Tape réponse. Bah c'est pas ça, hein. C'est archi pas ça, hein. Je continue, hein. Je cherche mon avion, moi. Ah oui, mais je peux pas voir. Ouais. Ah, le ok. La bougie, faudrait trouver la bougie. O et P, c'est des carrés. Bon, on va essayer, t'inquiète, on va voir. P et O, c'est des carrés. Donc là, par exemple, il y a un carré, il y a deux carrés après la flèche. Mais la flèche, j'ai toujours pas trouvé, quoi. C'est une virgule, tu penses? Non. En fait, c'était bien trouvé au début, mais là j'ai du mal. Là. Je sais pas pourquoi. Je pense que le P il y est. Hein. Ah là là. J. Est-ce qu'on a un J? J'ai pas l'impression.
On n'a pas la flèche. Pour l'instant. Trop bizarre qu'on ait pas la flèche. J'ai tapé presque tout là. Le M. Tu penses que le M c'est la flèche? On va voir. En tout cas, le M c'est un rond. Il y a un rond. Il y a un M à la fin avec un E. T'as trouvé le P? Oui. Le P. Le P, il devrait être d'ailleurs après là, je crois. Et là, voilà, c'est entre le Q et le R pour moi. Il manque un truc quand même. Et le R, normalement, il devrait pas être là, en fait. Le R, il est au début, le Q, il est après. Et on trouve toujours pas le... ça me rend fou l'histoire. Peut-être qu'il y a des majuscules du coup qui sont différentes. Oui, les majuscules sont différentes, ok. Bah voilà, c'était le majuscule du Q, ok. Donc les majuscules sont différentes, ça c'est important. Donc on a quel déjà? Ça c'est bon. T'as essayé les accents? Ouais, faut que j'essaye les accents. Là. Quel était? Je pense que ça doit être était. Alors les accents, non. Alors en tout cas c'était était. Je vais juste, c'est pas c'est e peut-être. Non. Non. La flèche, du coup, on l'a toujours pas. Hein. Non. On a toujours pas la flèche. Ah! À la fin, il y a quand même notre. Il y a le point d'interrogation. Hein. À la fin. Énigme, ça doit être ici. Est-ce que c'est ça? Il y a pas la Il n'y a pas de... Il n'y a pas la flèche. La flèche, on l'a toujours pas. Hein. Quelle était la réponse? Du coup, ça devrait être réponse aussi. Ouais, mais t'as raison, en fait. Mais je comprends pas pourquoi on... Là, ça devrait être et. J'essaie de regarder les deux en même temps, mais je vois pas. J'arrive pas à voir les deux, deux écrans en même temps. Quelle était la réponse à l'énigme, du coup? Quelle était...
Je vais écrire réponse, on va voir. Il doit y avoir des chiffres, oui. Ça, c'est sûr. Même. Alors du coup, je regarde la réponse pour voir si c'est valable. Quel, c'est bon. Était, il y a un problème. Là, c'est bon. Oui, le et est toujours là, donc réponse. Et après, ils disent énigme. Alors, énigme, c'est... Alors, quelle était la réponse? Après, il y a la flèche. Alors, du coup, c'est hop. Quelle était la réponse? On est d'accord, hein, pour l'instant. Quelle était la réponse? On va corriger peut-être. Non, ils disent qu'il n'y a pas de y a pas de correction. Quelle était la réponse? Et après, il y a la flèche. Donc on va essayer de les chiffres. Ah. Donc c'est pas ça, c'est la 8. 8. Quelle était la réponse? Était T? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que logiquement, ça devrait être ça. Quelle était la réponse? Bah, elle est énigme 8, quoi. C'est ça. Ça devrait être énigme. Comme on avait écrit tout à l'heure. Alors, en fait, le truc, c'est que c'est pas écrit énigme. C'est écrit L. Apostrophe, j'imagine. Ouais, c'est ça. Énigme, et du coup, là, ça rentre. Ouais, et là, ça rentre. Là, on est bon, là. Donc, l'énigme 8. C'était lapin. C'était quoi l'énigme 8? Et la flèche, c'est le A. Ah oui, d'accord. Bon, on va la faire en entière. Hein. Et bah, la flèche, bah, tu vois, ça a peut-être changé. Hein. Ah, c'est peut-être l'américain. L'américain, il prend pas les accents, peut-être. On va checker vite fait. Et A. Il n'y a pas les accents. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je regarde s'il y a les accents, mais je crois que c'est ça, hein, de toute façon. On est d'accord, hein, c'est bon. Énigme 8, c'était quoi déjà? Est-ce que je vais le checker vite fait sur le live? Si on peut revenir en arrière, je sais pas. C'était lapin, non? C'était pas un truc en style, genre... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va être lapin et qu'il va revenir. Je sais pas si je peux revenir en arrière sur le stream. Vite! Trichon! Bah en fait non, là pour l'instant non. Ah si, peut-être. Alors attendez. Je triche, 2 minutes. Enfin je triche. Je suis en stream, hein. C'est pas de la triche en vrai. Hein.
Oh mon dieu, il n'y a que le début. Il n'y a que la première partie. Je peux pas revenir en arrière. Dane! Si! Alors, Inim 7, c'était musique, la musique. Qu'on a pris du temps d'ailleurs dessus. Ouais, je crois que c'était le lapin aussi. Je vais vérifier. Alors attendez, je vois plus rien en plus là. Ça commence à faire nuit. C'est vraiment le cheap stream. On va vérifier. Et oui, c'était lapin! Oh là là, mais quelle mémoire, quelle mémoire! Vite, passons au 15. S'il vous plaît, merci, voilà. Et le lapin, il fait quoi le lapin? Il saute? Faut le faire sauter. Faut le faire sauter le lapin ou pas? Je vais débarrasser Weedings là. Eh mais normalement on est censé s'arrêter maintenant là, il est 17h15, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, je sauvegarde. Il est 17h15. Nous sommes actuellement en retour pour en retard pour notre super fin de JDR potentiellement en cours. Bisous bisous bisous. On finira ça la prochaine fois. Là, on est à 2h20, 2h29 pile, voilà. On s'arrête ici pour le speedrun. Mince. Oh, je sais pas comment on arrête. Voilà. 2h29 à Heading 15. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Save, je vais save. Voilà, on est à 2h29 sur Heading 15, c'est bien. Donc on va essayer de faire mieux la prochaine fois, mais voilà. Je sais qu'il faut sauvegarder le truc. Toujours sauvegarder l'adresse. On essaye de se finir ça la semaine prochaine. Des bisous, des bisous. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec mes énervements et Euronews. Voilà, je vous fais des bisous et à plus tard, à plus tard, à plus tard, plus tard. Bisous, bisous, ciao, ciao, ciao.